Hello YouTube, welcome back to my channel. Dans l'année qui chine 237, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, guys, pour notre vidéo de Nadine Cuisine, je vais vous apprendre pour cette nouvelle épisode comment réaliser votre poudre de turmeric ou encore appelé curcuma pour poudre à la maison. Très facile, easy, sans plus tarder. Nous allons le faire ensemble, step by step. Today, guys, I'm gonna learn you why to make your own powder turmeric at home. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma page, sois la bienvenue. Moi, c'est Nadine Kishin 237. Bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, je partage avec mes abonnés comment réaliser sa poudre de turmeric à la maison. N'oubliez surtout pas de subscribe, de liker, de partager la vidéo et surtout de commenter pour que tout ensemble nous puissions former une très très grande famille. Je serai heureuse de voir vos suggestions et vos commentaires en dessous de la page de description de cette vidéo et les menus que vous aimeriez que je vous fasse. Sans plus tarder, let's go! Do it! J'ai mon turmeric déjà lavé avec du vinaigre désinfecté et séché. Que je dois faire, je dois le découper. Vous pouvez le râper, mais comme moi je veux pas que ça maigrisse trop, je vais finalement râper parce que le turmeric a une coloration très très forte. Moi je ne veux pas gâter mon grattoir avec le turmeric parce que son jaune là c'est trop fort, c'est un colorant très naturellement très fort. Même le couteau je peux encore supporter, mais mon grattoir je n'en ai pas besoin. C'est pour ça que je dois faire des fines lamelles qui sont faciles à déshydrater. Voici notre gingembre qui est bien, qui est fini de le découper. Regardez. Et maintenant, je vais les placer dans mon déshydrateur pour les sécher. Vous pouvez les placer, si vous n'avez pas le déshydrateur, vous pouvez le placer dans le air fryer ou au four à 200 degrés pendant 8 heures. Et vous contrôlez de temps en temps quand c'est au four. Mais dans mon déshydrateur, le air fryer est directement programmé. Quand vous mettez 8 heures, à 8 heures de temps, la machine s'arrête. Et veillez toujours à attendre 5 minutes plus tard parce que c'est chaud. Ok, guys. Ici, mon turmeric, je l'ai fait avec la peau. Mais si vous voulez vous éplucher la peau, moi, une astuce que je vais vous proposer, je l'épluche avec la peau parce que la peau aussi contient beaucoup d'éléments nutritifs que j'en ai besoin. Alors, j'épluche vraiment comme ça. Souvent, je continue, j'écrase, je conserve. Mais si vous voulez que ça soit plus clair, ça dépend de vous. Vous pouvez après tamiser pour enlever les traits de peau. Mais moi, je consomme le tout parce que tous les aliments, la peau comme l'aliment frais, ils ont beaucoup plus des éléments nutritifs, donc c'est mieux de les conserver les deux, comme moi. Ce que je vais faire, je vais dans un déshydrateur comme ceci, et je vais les placer là. Là, j'ai mon déshydrateur, et j'ai à répartir mon turmeric sur les palettes. Et là, je vais les classer convenablement. C'est la quantité là m'a donné juste 4 étagères. Ok. Je recouvre là. Je ferme avec son couvercle comme ceci. Et il faut que je tourne un peu pour que vous puissiez voir.
et je vais enclencher. Là, le temps est 8 heures. Si je peux, je peux prolonger à 10 heures le temps. Je descends ici sur le temps. La plus là. J'ajoute. Jusqu'à 10 heures. Non, 10 heures c'est bon. Merci, 10 heures. Le thermostat, je peux augmenter aussi à 122. Ok. 10 heures de temps, 122. Vous sèche parfaitement. Normalement, on demande de regarder 8 heures de temps, mais je vais voir à partir de 8 heures, mais j'ai mis 10 pour voir. On se retrouve dans 10 heures de temps, guys. Ou 8 heures de temps, ça va dépendre. À 8 heures de temps, je dois allumer pour vous montrer comment se présente après 8 heures de temps. Ok? Turmeric est déjà bien sec. 10 heures de temps plus tard. Alors, on voit à quoi ça ressemble. Là, oui. Oui. Tout est sec. Et maintenant, on passe à l'écrasage. Voici mon turmeric ici. Mes 4 palettes basses qu'ils m'ont donné. Comme turmeric. Bien sec. Et ce que je dois faire, je dois les mettre dans mon blender. Vous utilisez votre blender à la maison. Vous utilisez n'importe quel blender. Ça s'arrête bien. Voilà. Et ferme. Et j'écris d'abord, après je... Et nous allons contrôler. On peut voir à quoi ça ressemble. Parfait. Et là, faites attention. Parce que... Notre poudre est prête, bien écrasée. Je vais déconnecter la machine et je vais transvaser dans un récipient. Je vais utiliser un pinceau noir pour que la teinture ne puisse pas couler dessus. Je vous conseille d'utiliser un pinceau de couleur pour pouvoir délayer, retirer votre poudre. Parce que le turmeric, c'est une couleur qui n'est pas très forte. Une magique poudre, une poudre magique. C'est l'une des premières poudres magiques. Après le turmeric, nous avons le gingembre. Le turmeric, si à elle-même, elle contient 54 bénéfices pour la personne humaine. Donc ça a tellement de bénéfices. L'un des premiers fruits au monde qui a énormément de bénéfices. Donc je vous conseille de prendre au moins une cuillère à café de turmeric tous les jours. C'est très important. Rajoutez dans votre thé, dans votre nourriture, n'importe quoi que vous voulez consommer, dans votre eau. Rajoutez un peu de turmeric tous les jours et vous allez voir ce que ça va faire dans votre vie et dans votre manière, dans votre alimentation et sur votre corps aussi, à l'intérieur comme à l'extérieur, inside, outside. Ok, guys? Guys, voici notre poudre. Ce que je dois faire, je vais chercher un conteneur que je dois garder là et je verse mon turmeric en poudre dedans. C'est plus mieux. C'est très important de faire votre propre poudre à la maison.
La saveur est originale et authentique. Et vous êtes sûr de la qualité. Pas de produit additionné. Authentique. Ça garde plus tous ces nutriments. Tous les fruits qui sont déshydratés gardent les natures, tous les éléments nutritifs. C'est important de consommer des aliments déshydratés. Et là, j'ai ma poudre turmérique. À l'aide de mon sucre, je vais énumérer ma boîte pour que à la maison tout le monde puisse l'identifier. Même comme on ne connaît pas sa couleur, mais souvent je peux mixer avec le poivre noir. C'est pour ça que je préfère seulement turmeric. Là, on voit la boîte, on sait que c'est le turmeric qui est dedans. Ok, guys. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager. Et on se voit la prochaine vidéo.